La France, mère des arts, des armes et des lois, ne manque pas de grands hommes dans ses domaines supérieurs. Trois d'entre eux ont accédé dans les sphères éclairées de la connaissance à la notoriété mondiale. Ils ont acquis chez nous, en tout cas, du moins tant qu'en subsiste l'enseignement de notre passé historique, qu'il est question aujourd'hui d'effacer, au bénéfice de l'histoire des peuples premiers, une dimension internationale. La France, mère des arts, des armes et des lois, ne manque pas de grands hommes dans ses domaines supérieurs. Trois d'entre eux ont accédé dans les sphères éclairées de la connaissance à la notoriété mondiale. Ils ont acquis chez nous, en tout cas, tant au moins qu'à subsister l'enseignement de notre passé historique, qu'il est question aujourd'hui d'effacer au bénéfice de l'histoire des peuples premiers une dimension incontournable. Ce sont évidemment Louis XIV et son XVIIe siècle, Napoléon à l'orée du XIXe, le troisième leur est antérieur, puisque du XVe siècle, mais combien plus illustre pour beaucoup de raisons. Ce grand homme français, mais de dimension mondiale, est une femme, mieux même, une jeune fille qui mourra avant d'avoir 20 ans. C'est Jeanne d'Arc, dont nous avons célébré en 2012 le 600e anniversaire de la naissance. Ce sont Louis XIV et son XVIIe siècle, Napoléon à l'orée du XIXe, le troisième leur est antérieur, puisque du XVe siècle, mais combien plus illustre pour beaucoup de raisons. Ce grand homme français, de dimension mondiale, est une femme, mieux même une jeune fille, qui mourra avant d'avoir 20 ans. C'est Jeanne d'Arc. Les temps d'alors sont cruels au peuple, et il y a grande pitié au royaume de France. La guerre, la famine, la peste ravagent le pays. La France souffre mille maux. Tant d'alors sont cruels au peuple et il y a grande pitié au royaume de France. La guerre, la famine, la peste ravagent le pays. Tout est perdu, ou presque, quand survient Jeanne. Fille de paysan du pays de France, aux confins des terres hostiles, elle partagea son enfance entre les devoirs de son état, les jeux et la prière. Elle ne sait pas encore, quand elle joue sous l'arbre des fées de son village de Don Rémy, que la France et l'histoire l'attendent. Tout est perdu, ou presque, quand survient Jeanne. Elle est fille de paysan du pays de France, aux confins des terres hostiles. Elle partagera son enfance entre les devoirs de son état, les jeux et la prière. Elle ne sait pas encore, quand elle joue sous l'arbre aux fées de son village de Don Rémy, que la France et l'histoire l'attendent. L'enfant de Jacques d'Arc et d'Isabelle Romée a des frères et des sœurs, mais c'est elle seule qui entrera par l'écoute de ses voix dans l'espace mystérieux de l'exaltation spirituelle. L'enfant de Jacques d'Arc et d'Isabelle Romée a des frères et sœurs, mais elle est seule qui entrera par l'écoute de ses voix dans l'espace mystérieux de l'exaltation spirituelle. Certes, Marine n'est pas Jeanne d'Arc, mais elle fait partie, comme elle, de la longue lignée de ceux qui ont fait et défendu la France depuis plus de 2 millénaires. Gloire à Jeanne d'Arc, libératrice de la France, sainte et martyre de sa foi en la patrie. Honneur à Marine Le Pen!